Après avoir perdu son ministre de l'Intérieur, il perd encore son premier ministre, c'est que c'est un régime de malheur. Voici comment plusieurs personnes peuvent voir son régime. Donc lui-même, c'est pas pour son intérêt. Qui a intérêt aujourd'hui que la division s'installe entre le premier ministre Ahmed Bakayoko et le président de la République Alassane Ouattara? Quand on sait que Ahmed Bakayoko doit toute sa vie, toute son existence à Alassane Ouattara, tu vas vouloir opposer aujourd'hui un enfant comme Ahmed Bakayoko à un monstre, à un dinosaure comme Alassane Ouattara, qui a couché Babo, qui a couché un bébier, qui a couché Soro Diop, on ne sait pas où il est. Il est dans Tchengelisso. Un monstre comme Alassane Ouattara, en matière politique, vous allez prendre un enfant, pas le mettre en problème. Tout ça pour quel objectif? Pour que les gens puissent dire non, ce sont les proches d'Ahmed Bakayoko qui sont venus demander à Chris Yapi de faire ce travail. Remarquez bien les discours de Chris Yapi. C'est un discours de la marmaille. Ahmed Bakayoko, nous souhaitons qu'il se rétablisse. Nous souhaitons, regardez tout, la guerre, le petit Seydou, ce petit garçon raté qui est aux États-Unis. Regardez tous les discours. Les discours tournent autour. Nous voulons qu'Ahmed Bakayoko vive. Nous voulons qu'Ahmed Bakayoko vive. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas qu'Ahmed Bakayoko vive. Pourquoi? C'est eux qui ont tué Amadou Kong Koulibaly. Amadou Kong Koulibaly était malade à l'hôpital. Ils ont été capables, sans dignité, sans honneur, des gens qui disent qu'ils sont musulmans, d'appeler à l'hôpital et mener une enquête pour venir révéler sur la toile qu'Amadou Kong Koulibaly était déjà mort. Que l'appel vidéo qu'il a fait entre lui et Alassane Ouattara, c'était même pas le vrai Amadou Kong Koulibaly, c'était une vieille vidéo. Ils avaient déjà enterré le monsieur. Puisque la bouche a le pouvoir de crier, dès que quelqu'un est mort, il est mort, il est mort, il est mort, peut lancer ce qu'on appelle un esprit de mort sur sa vie. Le président Alassane Ouattara est allé se faire soigner pour son problème de nerfs sciatiques. On nous a tous annoncé en Côte d'Ivoire qu'il était mort. Un matin, il est revenu avec chapeau et canne. Premier ministre de ton pays, Ahmed Bakayoko. Si on veut comparer en matière d'action sociale en ce que Ahmed Bakayoko a fait en moins d'un an de premier ministre et ce que Soro Diop a fait en 7 ans de premier ministre, il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. En matière de dons, en matière d'aide, en matière de soutien, aider les pauvres là. Si on veut comparer, il n'y a pas match. Vous mettez Soro Diop, vous mettez Ahmed Bakayoko, candidat les deux. Je vous dis, c'est 80% contre 10%. La Côte d'Ivoire a fait son choix. On peut faire quelqu'un qui est généreux de cœur. Arrêtez un peu cette plaisanterie là. Vous activistes, pro-Soro là, allez faire vidéo, parlez de Makosso. Des petits plaisanteurs comme ça. Une aventure, le premier ministre de pays est malade. C'est vous qui êtes tous les jours en train de faire vidéo. Quand quelqu'un est malade, la première des choses, on empêche ses parents de venir lui rendre visite. On dit pourquoi? Il a besoin de calme, il a besoin de tranquillité. Il ne veut pas qu'on le dérange. Mais matin vidéo, à midi vidéo, on met une pression psychologique sur ses enfants, sur sa famille, sur ses proches. Pour qu'après on vienne dire, on vous avait dit non. On vous avait dit non. C'est vous qui êtes les maudits. C'est vous qui êtes les sorciers. C'est vous qui êtes les démons. C'est vous qui êtes les diables. Vous l'avez fait avec Amadou Kong Koulibaly. Qui est éternel sur ce monde? Qui est éternel?